C'est une loi si importante pour l'avenir du pays qu'effectivement, dans ce genre de cas, on peut espérer un consensus beaucoup plus large. Et ça n'a pas été du tout le cas. Les opposants et même parfois les députés n'ont même pas pu assister à certaines délibérations. Donc, en ce sens, il y a un coup de force. Il y a aussi une question constitutionnelle. L'article 78 de la Constitution dit que toutes les institutions du pays doivent travailler à faire que la Géorgie se rapproche de l'Union européenne et de l'OTAN. Et là, manifestement, ce n'est pas le cas. Donc une grande partie de la population est contre cette loi, et contre cette loi qu'elle appelle la loi russe. Elle n'a pas envie de revenir dans l'orbite de la Russie. Elle n'a pas envie non plus d'avoir un régime de type autoritaire, la Géorgie étant habituée à beaucoup plus de liberté depuis des années.